Monsieur Sly! Je suis avec Sly, on s'en va. On s'en va voir quoi, mon Sly? On s'en va à Star Wars. On s'en va à Star Wars, The Last Jedi? Yes, on est juste là. Où ça? Juste ici? Oui. Yes. Même, tu roules sur l'or, mon Sly. Fais attention à ton point de choc. Ah non, je suis correct. Non, non, je roule pas sur l'or pantoute. Et non, ça a été un petit peu difficile là, dernièrement. Fait que là, ça va bien, là, je suis content. Là, tu fais quoi? Ben, je suis gérant dans un Yellow. Ah ouais, OK. Fait que... Oui, tu me l'avais dit, ça. Fait que là, il s'est payé un beau char neuf. Ben non, ben pas bien que ça. Ça fait faire 2 ans que je l'ai, ce char-là. Fait 2 ans? Ouais, fait 2 ans que tu m'as pas amené dans ton auto? Ouais, c'est parce qu'on tu m'as pas fait un petit tour de machine, mon Sylvain? Un tour de machine. Sylvain? Yes. J'ai une grande nouvelle pour toi. Ben vas-y. Ça fait 1 an aujourd'hui que je vlog. Hey. La première fois que j'ai publié un épisode. Ça fait-tu déjà 1 an? C'était-tu avant les fêtes? Ouais, c'était le... Non, c'était le 17 décembre. Pour vrai? 2016. Oh, nice. Sly, c'est celui qui m'a introduit à Casey Neistat. Puis Casey Neistat, ouais. C'est celui qui m'a, disons, qui m'a botté le cul, qui m'a décidé à commencer à vlogger. Parce que j'aimais son style. Je trouvais qu'il amenait le style documentaire. Au vlog, c'est la première fois que je voyais ça. Tout ce que je connaissais des vlogs, des YouTubers, c'était des petites filles qui se maquillaient, c'était peut-être moins mon affaire. Mais en regardant Casey Neistat, j'ai réalisé que tu pouvais mélanger toutes sortes de styles, tu pouvais amener autre chose. Il y avait d'autres façons de vlogger puis de faire du YouTube. Puis Sly aussi, ah ouais. Sly, il faisait beaucoup de vlogs dans le ouais. temps. Dans le temps. au début, tu m'écœurais comme quoi j'en faisais pas assez, puis là, tu me dis encore j'en fais pas assez. Non, j'ai été hyper occupé. Puis, en fait, c'est pas tant occupé que beaucoup de travail en même temps. Puis, c'était assez intense comme je suis. Fait que le soir, là, t'arrives chez vous, là, je suis comme brûlé. J'avais plus juste le goût de filmer. Fait que quand je filme, c'est des petites affaires que vous allez voir dans mon prochain vlog. Ben, j'en fais un cette semaine. Puis. Non, à gauche. À gauche? Ouais. Ah, je recette. OK. Et voilà. Ouais, c'est ça. Fait que j'en fais un cette semaine, puis je vais mettre des images de qu'est-ce que j'ai fait dernièrement. Qu'est-ce que t'as fait dernièrement? Ben, dans les 3 derniers mois, parce que ça fait à peu près ça, 3 mois, que 3-4 mois que j'ai pas vlogué, j'ai eu un gros contrat de photo avec les contrats scolaires. Puis, par la suite, ben, je suis tombé gérant. Fait que ça l'a occupé pas mal de mon temps. On est allé à Toronto, on a eu des mariages, on a, tu sais, tout plein de choses que j'ai filmé par-ci par-là. Mais que c'est ça, tu sais, que je me tentais juste pas de le mettre en vlog, parce que j'étais comme, ah, tombe pas, tu sais. Là, tu veux te remettre au vlogging? Ah, totalement. Ça me manque tellement, cette affaire-là. Là. Ben oui, trouve-toi une période ou quelque chose, un petit concept. Ouais. Une petite routine pour pouvoir produire ça. C'est bien, c'est bien. Pour commencer à vlogger. Ouais. Pour l'histoire, correct. Pas plus que ça. Ça prenait un moment donné dans l'histoire, ça prenait une tangente que j'aimais beaucoup. Je me disais, oh Chris, c'est intéressant ça. Mais ils sont revenus dans une ligne un peu prévisible, effectivement. Parce que l'affaire là-dedans, c'est que tu t'attends que, avec tout ce qui s'est passé avec la mort de Carrie Fisher, puis il y a comme des associations, tu te dis comment ça va se passer. Je sais pas, sans faire, je suis comme juste correct. Je pense que je vais faire comme toi avec Thor, moi. Je vais en reparlerai un peu plus tard. Ouais, on va computer ça. Hey, thank you, man! Oh,
Merci pour l'entrée, puis on se repogne dès qu'on peut. Là, c'était cool, Stiffy, ouais. Ça a fait du bien. Oui, certain. On se voit pas assez souvent. Yes! Ciao! Salut! Bye! C'était cool, ça. Petite soirée avec Sly. Petite soirée cinéma. Après ça, on est allé manger au McDo. Je me sens comme quand j'avais 16 ans, puis qu'on sortait. T'as-tu été voir Star Wars? Non, moi le dernier Star Wars j'ai vu c'est épisode 3 puis ça va rester drette demain. Pour vrai, t'es pas un amateur de Star Wars? J'ai débarqué, j'étais un gros fan de science-fiction, tu sais, je n'ai parlé souvent, mais écoute, je suis pas capable de voir Star Wars derrière la machine de cash que c'est, puis j'ai trop été let down par épisode 1, 2, 3. Pis, ouais, mais 1, 2, 3, c'était... Ça, c'était la mauvaise idée du créateur lui-même. Tu sais, c'était genre... Ah, absolument. Tu sais, ce que vous avez aimé, là, je vais vous montrer que... On dirait... Ouais, c'est ça. C'était du sabotage, là. Non, mais l'affaire, c'est que j'aurais pu pardonner épisode 1, 2, 3 si... Il y a différents trucs qu'ils ont fait, moi, qui m'ont fait débarquer. Exemple, tu sais, j'avais une faible... Tu sais, j'avais pas tout lu les livres, mais j'avais un peu de connaissance du Expanded Universe, des livres de Star Wars, puis du vieil empire de Star Wars... Dans les jeux, beaucoup que j'ai appris ça. Puis tout ça, ça a été droppé quand ils ont parti à la nouvelle série. Ils l'ont dit, tu sais, tout l'Expanded Universe. Là, le stock que ça fait 15 ans, mettons, qu'on vous vend en livres et compagnie, ça a tout jamais existé. On va se servir de ce qu'on veut là-dedans, mais le reste de l'Expanded Universe, ça n'existe plus. Fait ouais, que c'est moi, rendu, ils appellent ça Legend à Star. C'est comme les légendes de Star Wars. Genre, mais là, moi, ça me, tu sais, moi, c'est une petite claque d'en face parce que pendant longtemps, cette franchise-là, c'est rien que les fans qui l'ont tenu debout. Fait que là, que tu dises tout ça, c'était de la merde. Là, nous autres, on arrive là-dedans avec notre grosse machine à cash, puis tu sais, on fait ce qu'on veut, puis on va tout, en tout cas, je sais pas. Fait que j'ai décroché, puis ça me manque pas. Puis tu sais, dans ma science-fiction, j'aime mieux avoir plus de science que de magie. Puis tu sais, on s'entend que Star Wars, c'est de la petite magie, là. Tu sais, des midi-chloriens puis de la force, là. Ah non, mais il y a plus ça, là. Les midi-chloriens oublient ça, là. Tu sais, l'affaire de... Tu peux mesurer le... Tu sais, ça, c'est... Moi, c'est le contraire. Tu sais, c'était l'affaire qui m'avait fait tellement débander. Je voulais aller... Je voulais pogner un 2x4 avec des clous, là. Puis je voulais aller... Je voulais aller... assassiner George Lucas dans son sommeil. Il m'avait fait tellement chier avec son esti d'idée de rendre scientifique ce qui était ésotérique, tu sais. Ce que j'ai pas aimé de l'épisode 7, c'est que pis ça se sentait, c'est qu'ils ont essayé. Fallait tout. C'était un remake dans un sequel, tu sais. Ouais, ouais. Fait que tu sais, ils ont essayé de recréer toute la dynamique. Fait que chaque nouveau personnage, tu peux l'associer à un ancien personnage. OK, Rey, c'est la Luke Skywalker, la nouvelle Luke Skywalker. Finn, c'est le nouveau... Han Solo.
le nouveau Han Solo. Pour Poe Dameron, c'est le nouveau Princesse Leia. Fait que tu vois que genre, OK, on est en train de recréer le branding. Le deuxième, j'avais peur que ce soit une continuité de ça, l'épisode 8. Puis en fait, tu comptes, non, il y a sa propre histoire. C'est un peu plus complexe. C'est vraiment bon. Mais il y a une affaire, puis ça, je sais, je vais me faire fusiller, puis on dirait que je passe pour la stifie de white nationalist, là, la stifie de gars de droite mal intentionné, là. Mais ça sent tellement la rectitude à tous les niveaux. L'épisode 8, ouais. Là, c'est, tu sais, des femmes en poste de pouvoir, beaucoup de... Tu sais, quand ça sent... Moi, ça, j'ai rien contre tout ce qu'ils ont présenté là, c'est juste que on dirait qu'ils ont voulu... réglés, ils ont voulu nous instruire sur tous les problèmes de la société. Beaucoup de femmes en position de pouvoir, beaucoup de cultures mélangées. Ils ont essayé de nous faire un... Tu sais, c'est pas le ministère... Je suis pas dans une classe à écouter un film du ministère de l'Éducation là, pour m'instruire sur tout ce que je... Tu sais, sur tout ce que... les problèmes de la planète, puis comment qu'on devrait vivre, puis comment... T'sais, ouais, mais tu sais, bienvenue en 2017, le divertissement, ça n'existe pas, là. Tout ce que tu dis, c'est un message, tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Là. Tu peux pas avoir un film sans qu'il y ait un... sans que tu sois fidèle aux lignes directrices de la rectitude en 2017, parce que ça marche pas, parce que ça peut pas juste être un film. Faut qu'il y ait un message ou en tout cas. C'est ça, tu sais, on dirait qu'ils ont tradé tout le côté artwork pour. Faut absolument qu'il y ait un message. Faut absolument instruire le monde sur les cultures, les races, les genres. Tu me le vends pas le Star Wars en ce moment. On est jeudi, en train de prendre un petit café. Jeudi midi, un petit café du midi. En train aussi de me préparer tranquillement, en train de me ramasser mon stock. Mon chum Dan s'en vient me chercher tantôt. On s'en va faire une espèce de mini road trip, micro road trip. On s'en va voir un ami. Un ami spécial, je vais vous montrer ça dans le prochain vlog. Puis aussi, je suis en train de faire, j'ai déjà commencé le montage de l'épisode que vous regardez là. J'ai mis un extrait du stream où est-ce que je parle de Star Wars, mais je vais faire une critique un petit peu plus en détail de Star Wars. J'en ai pas dit gros, sinon que il y a beaucoup de rectitude. Je trouvais que c'était un super bon film. C'est vraiment un bon film. C'est un bon film, mais ça dépend pour qui. Il y a à peu près trois genres de personnes qui regardent les films de Star Wars, les nouveaux. Il y a ceux qui viennent d'arriver dans la franchise, peut-être les jeunes ou ceux qui n'ont pas suivi celles des années 80, celles des années 2000. Il y a ceux qui aiment Star Wars, mais qu'il l'aime comme n'importe quel autre film de science-fiction. Puis il y a les gros fanboys, les hardcore fans, ceux qui suivent Star Wars, qui s'intéressent à tout l'univers, qui s'intéressent à chacun des personnages, même ceux qui sont, des fois, c'est des personnages qui sont juste comme en background. Ils vont aller voir c'est quoi l'histoire de ce personnage-là. Ça, c'est les hardcore fans. Ce film-là, fallait qu'il plaise aux trois et ça paraît. On voit l'effort pour plaire à tout le monde. Mais évidemment, ils n'ont pas pu plaire à tout le monde. Les gens qui viennent d'arriver dans la franchise vont aimer le film parce que en lui tout seul, c'est un bon petit film d'aventure dans l'espace. Les gens qui aiment Star Wars, mais qui sont pas des hardcore fans, eux autres aussi vont être servis. Les personnages sont là, le spirit est là. Mais les hardcore fans vont être vraiment déçus parce que l'histoire se continue, mais l'univers de Star Wars ne prend pas d'expansion dans ce film-là. Il n'y a pas de grande révélation. Tout le monde s'attend toujours à un Luke, I am your father. Il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de grande révélation comme ça. C'est une histoire bien linéaire. Un film qui pourrait vivre tout seul comme ça. Il y a bien des personnages qu'on s'attendait à ce que le film explore un petit peu plus, qu'on en apprenne un petit peu plus, mais en fin de compte, pas du tout. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on dirait que l'univers de Star Wars ne prend pas d'expansion, n'est pas développé.
pour les hardcore fans. Par contre, je trouve que c'est un des bons Star Wars. La photographie est super belle. Les vaisseaux sont super beaux. On voit Luke. C'est le fun pour ceux qui ont la nostalgie des années 80, des années 70-80. Moi, ce que je reproche à ce film-là, c'est qu'on n'a pas un vrai méchant comme Darth Vader. C'est pas un méchant qui est menaçant. C'est un méchant qui a des troubles psychologiques, qui a une enfance dure, qui est troublé. Puis ça, je trouve que c'est plate un peu. J'aurais aimé ça avoir un Darth Vader, un solide méchant qui fait peur, qui revient d'un film à l'autre. Mais bon, c'est une nouvelle sorte de méchant. Moi, j'ai de la misère à m'y faire, mais il y en a qui vont l'apprécier. Ce qui est le fun, ça c'est pas un spoiler, c'est qu'on voit Princesse Leia, Carrie Fisher, tout le long du film. C'est vraiment le fun de la voir. C'est comme un dernier au revoir à Carrie Fisher qu'on verra nécessairement plus dans des films de Star Wars. Là, je vais juste prendre un 2-3 minutes pour vous remercier. Ça fait un an cette semaine, le 17 décembre, que j'ai commencé à vlogger. Mon premier épisode de vlog, je l'ai publié un 17 décembre. Ça fait maintenant un an. Je pensais pas me rendre à un an. Je pensais vraiment me tanner. Puis en fait, c'est un des projets qui m'a le plus allumé de toute ma vie. Je trippe au bout à faire ça. Je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui regarde ça. Je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui me supporte sur mon Patreon. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le channel. Je sais que ma dernière vidéo, où est-ce que je raconte le vol de l'Olivier? Il a été bien populaire. J'avais pas pensé à ça, mais tu sais, quand tu mets le nom de Mike Ward dans une vidéo, évidemment, ça explose. Fait que ma dernière vidéo a été très populaire. Fait que ça a attiré beaucoup de personnes sur le vlog. Il y en a 99% qui resteront pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'aux 2-3 qui sont aux 2-3 nouveaux qui se sont abonnés, bienvenue à vous. Au début, je voulais faire une espèce de grosse vidéo, bien complexe. Je voulais faire une espèce de fun fact. J'avais à peu près 30 fun facts sur le vlog. Des affaires que je cache, que vous voyez pas, des easter eggs que je mets à gauche puis à droite. Je voulais faire un making of, vous montrer comment je vlog. Je voulais montrer mon kit de vlogging. Je voulais vous montrer comment je fais mon montage. Je voulais vraiment essayer d'aller en arrière de la caméra. Mais en fin de compte, je me suis dit, ça intéresse qui? Sérieux, là? Ça intéresse personne. Continue avec ce que t'es bon, raconter tes histoires, vloguer comme du monde. Puis après ça, dans 4-5 ans, peut-être ça sera intéressant, mais là, pour l'instant, là, tu sais, là, un best-of en plus, des affaires que vous avez toutes vues. Ça me tentait pas de rentrer là-dedans. Je suis juste vraiment content. Puis je suis vraiment fier d'avoir continué ça pendant un an. Puis ça va continuer encore pour un petit bout. C'est tout. Je filme tout. Je suis obsédé. Je filme tout. Ça va avoir plaisir ou... Oui.